Jusqu'au bout, Enzo a cru à la victoire. Avant la révélation du vote des téléspectateurs, le jeune représentant français était en tête du classement de cette Eurovision 2021, organisée à Paris à la Scène Musicale. Finalement, Enzo et son titre Tic Tac ont terminé sur la troisième marche du podium, derrière l'Arménie et la Pologne. S'il rêvait d'offrir à la France un formidable, le chanteur ce 13 ans a tout de même offert au public et à la délégation tricolore une magnifique performance. Entouré de danseurs et danseuses dans une mise en scène où l'on retrouvait également de la pyrotechnie, Enzo a réalisé une prestation aussi dynamique qu'enthousiasmante devant une salle conquise. À l'issue du concours et après l'annonce du classement, il s'est confié face à la presse sur son aventure Eurovision Junior. Qu'as-tu retenu de cette aventure? C'était incroyable, je n'oublierai jamais, j'étais super fier de représenter la France. Est-ce que tu as senti le soutien de la salle? Oui, il y avait énormément de bruit. Je remercie le public de la Scène Musicale, sans eux cette troisième place n'aurait pas été possible. Le passage sur scène était incroyable. Comment as-tu vécu l'annonce des points? J'étais très stressé. C'était super de voir que le jury professionnel m'a placé à la première place. Dans mon cœur je sais que j'ai gagné. Tu as 13 ans, te vois-tu tenter l'aventure au concours adulte dans plusieurs années? J'adorerais. Je le regarde tout le temps, alors peut-être dans 5 ou 6 ans. Mais pour le moment je profite de cette Eurovision Junior, on a encore le temps.